aller plus loin. Conjuguons tous bien nos efforts. Donnons-nous la main, puisque dans l'unité tout est possible. Au nom de nos enfants, faisons la paix en Afrique. Ça dérange personne de voir ça? C'est bon? Tout le monde s'y habitue? Je me demande comment les dirigeants africains, les présidents, peuvent voir partir, que dis-je, fuir leur jeunesse sans réagir, sans rien dire. C'est normal ça? Des bateaux pourris, surchargés de votre jeunesse africaine, désespérés au point de risquer mourir noyés. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est quoi votre problème? Ça va durer longtemps? Combien de milliers de morts au fond des mers, femmes et enfants, jeunes et parents, ils fuient quoi qu'ils n'aiment pas? Ils viennent chercher quoi qu'ils n'ont pas? Faut-il être à ce point sans plus d'espoir pour abandonner sa terre, sa patrie, sa famille et ses amis pour aller se chercher et se trouver en terre étrangère pourtant hostile et difficile? Président, dirigeants, leaders de tous bords, refusez de voir partir, fuir et mourir la force vive de l'Afrique. Toute cette vitalité perdue à jamais d'une jeunesse sacrifiée, ne laissez plus un seul rafio. Quittez les rives de vos côtes, interdisez la misère, le malheur. Vous êtes riches, sauvez les pauvres. C'est votre devoir de le faire. Yeah, yeah, yeah.